Encore une broche nulle. Level 5. Ok. Mais bon, plus on cumule des broches nulles, mieux c'est. Une broche et l'autre c'était un pendentif. Mais tout va bien. Ok, on n'a pas trop utilisé le. Le. Voilà. Le sceptre. Si on continue par là, du coup. Ah, mais les Stardust, du coup, on les utilise quasiment jamais, voire même jamais. By 4. On s'en fout, non? On arrive pas au maximum. On n'est pas obligé d'arriver au bout des étoiles. Au bout des branches. Du coup, si on revient par là, on est à un autre endroit ou... On revient. Ah oui, on revient par là, d'accord. On a fait tout le tour. Mais on aurait peut-être pu les rejoindre les monstres qui étaient là-haut. Si on n'était pas tombé comme les derniers 10 billes. Celle-là, on s'est pas reposé, donc ça n'a pas respawn, si. On a envie de retenter une énième fois. Oh, mais Sonic le hérisson, là, qui redirige son truc, la Tattoo Land. Ah, parce qu'on peut passer par là. Il monte par là. Et là, du coup, on rejoint d'autres trucs. Ah bah, c'est là, oui. Check. X. Pourquoi ça s'est transformé en X? On touche clavier, du coup, je peux plus haïfier. Ah, maintenant, c'est devenu F. Faudrait savoir. L'invasion de la sauvagitude, the Outer Rim, est vraiment un endroit oublié des dieux. Même les chasseurs viennent rarement ici. La malédiction est comme des menottes, des fers invisibles qui limitent notre vision. Cela fait bien trop longtemps depuis que nous avons vérifié la situation ici. Et maintenant la forêt a englouti les routes qui nous connectaient autrefois au monde extérieur. Chaque étranger qui visite maintenant se plaindra du fait qu'ils ne verront jamais, ils ne seront jamais témoins de la grandeur d'Aphis. Une chose à noter, la forêt grandit à une vitesse inhabituelle. Cela est dû en partie à l'abondance de magie au sein de Aphis et de ses environs. Cependant, la cause clé est la cessation des activités de la Légion dans la région qui a permis à moult bêtes sauvages de faire de ce lieu leur domaine. En juger par les marques de brûlure sur les arbres et les fourrures brunes, brunies au sol, il est naturel de conclure qu'il y a une cave d'un ours calédonien aux environs. Leur sang est rare et excellent pour des buts expérimentales. Je ne peux résister à l'envie d'enquêter davantage. Cependant, je dois être moult prudent. Ces bêtes ont un tempérament féroce et peuvent causer de grandes destructions. Ils peuvent aussi souffler du feu qui peut faire fondre n'importe quel... ou faire disparaître n'importe quelle magie. De plus, ils ont un sens exceptionnel
de l'odorat et sont extrêmement territoriaux. Ah bah c'est ce qu'on a affronté du coup. Quiconque ose mettre le pied dans leur domaine sera attaqué sans question. Les femelles sont des espèces encore plus dangereuses. Non seulement elles sont plus grandes et plus lourdes que les mâles, mais elles possèdent aussi des griffes qui peuvent broyer des rochers, et la transpiration qui peuvent donner lieu à des à l'enfer. Et comme si ce n'est pas suffisant, ils sont vachement protecteurs de leurs amants et de leurs enfants. Un chasseur qui m'accompagnait m'a dit une fois qu'une femelle sanglier appelée Miltos, avec le comme sur ayant pour surnom la matriarche, résida dans cette forêt, dans une forêt. Dans cette forêt. Cette du coup sanglière, cette comment on appelle ça, la femme sanglier? Hure? Non, pas du tout, ça c'est pour le cochon, je sais pas. A toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées, et est la plus forte de son espèce. Même les chasseurs les plus expérimentés auront des soucis contre Mythos. Peut-être que je devrais demander de l'aide et être préparé à non pas en faire face à une, mais à plusieurs sangliers calédoniens. Bon, on l'a tué. Je sais pas si c'était elle, mais. Comment on a pu utiliser ça alors que j'avais l'impression qu'on n'avait plus assez de mana? Ah bien, il adore me boulotter par contre. Bah oui.
On dirait qu'il a laissé tomber une arme. Oui, I'm juste sur la bonne piste. Ah, parce que du coup, il a bouffé la dague et donc c'est ok. Tu te dis pas qu'il y en a un qui s'est fait bouffer. Si tu retrouves la dague dans son ventre, c'est ok. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc du coup, une brassière, comment on appelle ça? Un gantelet de bras? un protège-bras? Après, il y a des centaines d'années, nanana. Oui, bon, du coup, c'est exactement la même chose que les autres. Capacité, on peut reprendre encore un dégât ou un d'arcane. Talent. Je sais pas si ça vaut le coup en plus de faire ça, vu que c'est peut-être bientôt la fin de la démo. Ça c'est pas mal au final, parce qu'au final ça... On a aucun malus, autant les autres du coup on a des malus. Là on diminue le nombre de potions qu'on peut porter, tout ça, mais... Après celui-là, il est un peu moins perturbant que l'autre. On s'est diminué le nombre de... le truc de AP là. Sachant qu'on peut en avoir que deux. Enfin là on en avait que deux. Parce que du coup ça va être restauré, mais non je pense pas. Du coup on a utilisé deux trucs ultra rares. J'espère qu'on peut... pour en racheter. Bon après on est dans la démo, on s'en fout. Mais... Ah, par les vents du Nord. Alors, un magnifique mur de cité, de ville. Ça doit être un fils. Astérigos, la malédiction des étoiles. Il doit avoir trouvé un moyen de pénétrer à l'intérieur, d'une façon ou d'une autre. Hop, elle rajoute ça dans son petit journal. Le journal qui va encore raconter. Ah non, elle dessine. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est écrit en polonais? Oh là là, mais c'est elle qui écrit tout. Faut vraiment tout traduire. Vous voulez vraiment qu'on traduise tout? Allez, on retourne la démo. Au nom de... par les noms des vents. Comment me suis-je évanoui dans la sauvagitude? Papa aurait désapprouvé. S'il l'avait découvert. Je dois me ressaisir. Je peux le faire. Mes armes sont d'une plus grande importance pour nous, personnes de la Légion des Vents du Nord. Chaque morceau est enchanté. On dirait que ces petits rôdeurs ont un goût particulièrement prononcé. Enfin, ils sont bien. Ouais, ils ont un bon goût. Ils ont un bon goût. Ah, mon pendentif! Est-ce qu'il vient de résonner ou de se lier à cet artefact magique? Donc ça, c'était le point de téléportation. C'est un héritage de famille qui a été transmis de génération en génération. Mais que se passe-t-il? J'ai enfin récupéré toutes mes armes. Heureusement, il ne semble pas être endommagé. Je n'aurais pas pu entrer dans Aphis complètement avec toutes mes armes. Par les noms... au nom du vent! Je n'ai jamais vu un crocodile aussi gigantesque possédant aussi une abondance magique. D'énergie magique. Qu'est-ce qui s'est passé à Aphis pour avoir engendré une telle monstruosité? La dague d'Otto était coincée sur le monstre. Ah, sûr. Il y a dû y avoir une bataille féroce ici. Je ne sais pas quand elle s'est déroulée par contre. Peut-être qu'ils ne sont pas trop très loin d'ici. Bah, alors quand même, Jackie 1, Jackie 2, Jackie 3... n'ont pas réussi à tuer le crocodile et toi tu l'as défouraillé. Tout va bien. Papa et les autres doivent être derrière ce mur massif. Je me rapproche, je le sens. Ok. Je sais pas pourquoi je me repose. Est-ce que du coup ça restaure quelque chose? Que dalle. Et du coup ça, les potions bleues, il faut y aller mollo. Hein. Et les RB c'est puissant mais... Eh mais c'est...
Ah, une tombe. C'est peut-être la tombe de l'un des deux Jackie. Différents items de la Légion du Vent du Nord, des équipements, voilà, sont placés sur la tombe, en jugé par les noms écrits ici. C'est la tombe, enfin l'endroit du repos final de Haftor et Gunnarsson. Ah, elle a été creusée il y a peu de temps. Haftor et Gunnarsson. Je sais pas. Ah, mais c'est You? Ah, You Bear, oui, mais non, ça peut être plusieurs. Puissent les vents te porter. Bah, c'est pas les deux personnes qui ont accompagné papa, du coup. Merde. Peut-être pas que deux, mais dans la cinématique, il y en avait que deux. En jugé par la direction, je devrais pouvoir me retrouver dans la cité en allant par là-bas. Oh, dans la ville. Ah, mais quelle aura terrifiante! Même la forêt est remplie avec d'étranges monstres que je n'avais jamais vus auparavant. Et si c'est le cas, cette ville doit aussi... Non, n'y pense même pas. Je dois me concentrer sur ma mission. Sur l'accomplissement de ma mission. Quoi qui brille? Du pognon. Non, les bombes. Les bombes qu'on n'a pas utilisées. Mais... Ah, pensez que Haftor et Gunnarsson sont morts de décès. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leur dernier rapport a mentionné quelqu'un qui vivrait à Apis. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Je suis vraiment inquiète. J'espère que le vent du nord va me guider vers mon papa. Oui, je ferai n'importe quoi. Sacré vent du nord. Ok, ce sont pas des caisses qui se cassent, c'est bon. Ah, je ferais mieux de pas tomber. Ah bah du coup, c'est la partie 1 du journal des gens qui fuient. Le sort de noble là qui était pas content que les gens se fassent boulotter par le crocodile. Ah là, mais... Ce mécréant, Marble, tout ce qu'il fait, c'est imposer la loi martiale. Qui sait ce qu'il a prévu? Non, if he's planning to rule. Qui sait, c'est à ce moment, il a prévu de régner sur Aphis tout seul. Est-ce qu'il peut soulever, enfin, brandir Astérios? Ça doit être une épée, je suppose. En voyant l'état dans lequel sont les gens. Et à quel point l'armée a perdu le contrôle de toutes les zones, je dirais que Aphis est perdu pour de bon. Heureusement, j'ai fait mes préparatifs il y a bien longtemps, et je me casse de cet endroit maudit. Donc du coup, c'était quelqu'un qui s'était enfui de Aphis. Ah. Et c'est pas nager. Un éclaisse de pèlerin. Un collier de pèlerin. Comment ça, moins 3, moins 2. Bon, on va dire on s'en fout, hein. Ça fait 4-4-5. Un accessoire qui possède la protection contre la foudre. En 5. Elle doit être portée lorsqu'on entre au sommet du Kelum. Parce que le temps imprévisible de la région donne lieu à des éclairs, des coups d'éclairs, des coups de foudre. Imprévisible. Alors pourquoi il y a des marques ici? Ça veut dire vas-y, tombe par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Climb. Ah mais c'est une échelle. Ça c'est un mur qui se casse ça. Calme-toi, Jacqueline. Ça prend des bombes. Ah,
encore un truc de pèlerin, mais le problème c'est qu'avec le truc de pèlerin, on sait que ça enlève des protections. C'est pas tout bien. Du coup là on prend cher en boule bleue et en glace. Bon, ça dépend si on affronte quelqu'un de foudre. Là, droit devant. Là, l'énergie semble différente de ce que j'ai vu auparavant. Est-ce que c'est une sorte de magie? Mais qu'est-ce que... Laissez-nous sortir d'ici! Pourquoi ne pouvons-nous pas partir? L'Archon a ordonné que quiconque voudrait quitter Aphis doit être fouillé. Je n'ai pas répandu la malédiction magique. J'ai un pas assez d'épreuves. Laissez-moi partir! Non! Vous devez... comment on appelle ça? Repasser... renouveler le pass. Attention, des monstres! Quoi? Il avait un Starit dans sa main. C'est quoi un Starit? Tout le monde crie. C'était génial. C'est comme une projection magique. Est-ce que quelque chose s'est passé à Aphis? Est-ce que cela est lié à la malédiction? Il y avait tant de phénomènes magiques dans les environs. Et les poissons bleus, non, plus jamais. Arrêtez-vous ici. Est-ce que vous êtes de... Vous habitez Aphis? On dirait que vous venez de la Légion de Northwind, mais... Un enfant! Vous connaissez la région de Northwind? Est-ce que vous avez vu les autres? Pas le temps pour ça. Vous venez avec moi. Wow! Wow! Pas censé me protéger? Il a récupéré de la vie ou c'est moi? Oh là là.
Mais n'importe quoi, on le maîtrise de A à Z et tout ça parce qu'il y a des inputs qui partent dans les limbes. Si tu me dis, bah non, bois pas ta potion, bah fais quelque chose d'autre, j'en sais rien. Oh là là. Ah puis du coup, vous avez pas vu le... Ni ma gueule, mais ça on s'en fout. Ni la... les manettes, la manette. Ça parce que aussi parce qu'on a essayé d'utiliser la magie le bâton. Bah oui, super. T'as vu que, ok. Je pensais pas que ça allait exploser. Je me disais, ah bon, c'est bon, je suis à côté, c'est safe. Au final, de la merde en boîte. Ça a explosé pile au moment. Bon, c'est vrai que là, du coup, on voudrait peut-être la résistance foudrique. Mais aux aftières, il est facile. C'est juste qu'on veut pas. On n'aime pas faire 15 milliards de fois la même chose, du coup on essaie de varier et au final. En fait, varier c'est le. C'est l'ennemi. Ça fait super mal à chaque coup et je me prends à chaque coup aussi. Il a l'air de s'en foutre totalement que je le charge ou pas en vrai. Oh, ok.
Ah, tout ça parce que j'essaye de... J'essaye trop. En fait, j'essaye trop, tout simplement. Pourquoi j'essaye? C'est un jeu où il faut pas essayer. Du coup, on commence à plus avoir de potions. Et là, ça va devenir critique. Incroyable, on l'a esquivé. Ça par exemple, du coup, la roulade, pourquoi est-ce qu'elle est partie dans les limbes? J'ai du mal à le savoir parfois. Et ça, pourquoi tous les inputs sont partis dans les limbes? Bah oui, il y a tout qui part avec le stun lock de ses morts et des inputs qui sont pas là, quand ils sont pas là, et quand ils sont là, ils sont là. Ok. Ça n'a l'air pas. On va le faire. Chaque coup, je le time mal ce coup de bouclier. Bon, ça y est, bien, c'est qu'on n'a pas utilisé de. Mais le coup de bouclier qui fait 4000 de dégâts là. 400. Pareil. On n'a pas utilisé de potion, donc c'est ok. Ah, 10 ans pour ranger 107 dans son pion. Bah super, pile la synchro qui n'existait pas. Thank you.
Ah oui, faut que je peux l'annuler peut-être avec le LB. Ouais, faut pas essayer en fait. Ah, merci d'avoir joué. Voilà. Vous avez des vaincu le boss spécial de la démo. Bion, le l'avant-garde des adhérents. La démo du jeu se termine ici. Plus de défis, d'exploration et de merveilles t'attendent. Voilà. Achète. Achète le jeu. Et on peut pré-order, du coup pré-acheter, pré-commander, afin d'avoir deux médaillons et du coup une armure évidemment exclusive. Non. Regardez, elle regarde des parchemins chez son popoi. Non, je sais pas où est-ce qu'elle est là. Il y a moult que j'aime. Elle brandit son marteau et elle se promène dans les mines, tel Minecraft, tel Deep Rock Galactic. Des villes, une ville déchue, un petit vieux, une petite vieille qui se promène en chantant la la la. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une chimère, un aigle aux bras musclés qui nous attaque. Elle réfléchit, il faut bien réfléchir. Mais c'est pas elle, si. Ou elle a pris 90 ans. C'est sa maman. Maman, papa, moi pas. C'est beau, c'est pas beau, c'est beau, toujours plus beau. L'arbre mana. Voilà. On avait bouclé. Bravo. Voilà. Bon. Bah finalement du coup on s'en est sorti. On s'est sorti sur la démo, on s'est un peu énervé. Évidemment il faut bien prendre en compte les moments où on ne peut plus jamais attaquer. Et composer avec ça. Évidemment le bateau on peut attaquer à distance. Donc il faudrait qu'il ait des drawbacks. Voilà, regardez-moi ce titan, ce géant qui nous attend. Je suis pas sûr que on l'affronte, mais pourquoi pas. Et donc voilà, nous avons affronté une sanglière, une hure peut-être, de feu, cracheuse de feu et de sueur acide, et du coup de... Et on a affronté quoi d'autre? Un crocodile, un crocodile, et ainsi que Jackie de la foudre, qui a un pattern des plus lisibles, mais en même temps tout le monde a un pattern assez lisible au final. On sent que c'est un peu du Dark Soul, mais en peut-être plus chiant, je sais pas, en vrai. Peut-être moins épique, I don't know. Mais ça va, du coup, voilà, avec la difficulté, évidemment, c'est pas très punitif dans le sens où on a une sauvegarde pas très loin, même si il y avait la hure cracheuse de feu, là, on a recommencé quand même pas mal de pans. On a peut-être level up un peu trop par rapport à ce à quoi ils s'attendaient, on ne sait pas. Bon, ça est sorti, c'est l'essentiel. On a failli
ne plus avoir de potions. Alors je sais pas si les potions bleues seront aussi rares dans le jeu final. Des bisous, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Le jeu sort très bientôt, le 11, c'est ça le 11 octobre, nous sommes le 9 octobre. Alors maintenant on est 9, on était le 8 hier. Et il est mini 24. Des bisous à la BOD et voilà, bah, on fera pas des moines, hein, je pense pas. On a moult jeux, et puis bon, quitte à faire un jeu comme ça, autant faire, je sais pas, Kena, Bridge of Spirit, bon, vous allez me dire, c'est peut-être pas la même chose, c'est peut-être plus du Beyond Good and Evil, like, tandis que là, c'est plus du Darksider-like, maybe, ou en tout cas, c'est beaucoup plus linéaire. Peut-être, en effet, Phoenix Rising, poète, mais je sais pas, j'y ai pas joué. Bref, des bisous, tchou tchou tchou.